Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On a fait un pari. Enfin, on a fait un pari. On a fait la galette des rois avec mon fils Martin et on a. Voilà, il a vu que je préparais une vidéo sur Albert King. Enfin, un plan de Albert King dans notre série sur le blues. Et puis, il s'est dit, il sait que King, ça veut dire roi en anglais. Donc, parce qu'il est balèze en anglais quand même. Hein. Et du coup, il a vu ça et s'est dit, bah voilà, j'ai une idée. Ce qu'on fait, c'est que si jamais tu as la fève, eh ben, tu fais une vidéo avec la couronne. Donc bah j'ai eu la fève. J'ai eu la fève, donc voilà, je me suis engagé. Donc je suis désolé. Hein, la vidéo, je la ferai dans le désert des Bardenas. J'ai quand même réussi à dealer ça avec. Non mais Martin, c'est ridicule. J'ai l'air J'ai eu d'une la andouille. fève. Ouais, mais j'ai l'air d'une andouille. Regarde, elle est carrée. T'as Ça... eu la fève. T'as gagné le Oui, pari. ok. Non, j'ai pas gagné le pari. J'ai perdu le pari. J'ai gagné la. Bon, enfin bon. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que. Là, je fais la présentation pour satisfaire mes obligations. Et puis, dans le désert, je vous ferai la vidéo sur Albert King. Histoire de ne pas faire une vidéo complète avec le truc sur la. Hein? Ah, hey, c'est bon, mais moi j'ai la honte avec les gens là. Ok, bon. Donc, histoire de ne pas faire une Ça vidéo filme complète. Oui, ça filme. Ah, tu peux me croire quand même, je suis menteur. honnête, je suis honnête. Regarde le carré, regarde le carré. Ça filme, ok. Allez, merci. Bye bye. Donc on va faire un petit plan que tout le monde, on le retrouve chez tout le monde. On le retrouve beaucoup chez Stevie Ray Vaughan, mais on le retrouve beaucoup, beaucoup aussi chez Albert King, comme je vous l'ai dit. Il y a un cousinage. C'est un petit truc de quinte, ok? Donc ça veut dire que quand on est là. Il fait deux toujours, donc je me dépêche un peu. Hein, donc d'accord, on est sur la tierce. Ici, on va chercher la quarte. Et la quarte, elle peut aller choper la quinte. Ok? D'accord? Ou alors la même note, mais pour aller chercher la quinte diminuée. Donc. Quinte. Quinte diminuée. D'accord? Chez Albert King, on le retrouve encore plus expressif, souvent parce qu'en fait, il fait. C'est-à-dire que lui, il fait carrément, je prends la quarte ici en 10 pour monter 12 pour aller chercher la quinte. Et ensuite, il se met non pas sur la quarte, mais sur la tierce majeure. Et elle, il la monte d'un ton aussi pour aller chercher la quinte diminuée. Souvent, la quinte diminuée, elle peut être aussi tirée, c'est-à-dire soit elle se rapproche de la quinte. Soit un peu en dessous, en tout cas c'est toujours infléchi pour... L'idée de l'inflexion dans le blues, c'est je tire une note pour l'infléchir, pour... c'est pas qu'elle est fausse, mais c'est qu'on la met pour qu'elle tende vers quelque chose, qu'elle se rapproche du cri, qu'elle se rapproche de quelque chose de vocal. C'est ça l'expressivité en blues, c'est quelque chose de vocal. Donc quand il fait... Okay. C'est que du je vais chercher la quinte, je vais chercher la quinte en dessous, je vais chercher la quinte diminuée. Toutes ces quintes sont un tout petit peu un paquet de quintes qu'on peut bricoler. On peut le faire à plein d'endroits, mais ici c'est un endroit qui est très 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 savoureux parce qu'on va la chercher vraiment dans l'aigu, donc quelque chose d'un peu crié. Moi je vous conseille de bricoler un petit peu tous ces trucs-là. La guitare au niveau de la justesse, hein, c'est pareil, mais bon, vous vous démerderez, d'accord? On est dans le désert, il fait 2 degrés, donc la justesse, c'est au revoir, d'accord? Allez, c'est parti! Et pareil, quand vous chopez les deux cordes en même temps, okay, ça lui donne une expressivité sympa. Oh, j'y arrive pas, j'ai froid aux doigts. Ok? Pensez à télécharger votre vidéo qui s'appelle Le son du blues, dièse 1, qui est une vidéo gratuite et inédite que vous ne pouvez pas trouver sur YouTube. Vous renseignez votre mail, vous la recevez avec votre mail. Je ne ferai pas de bêtises, c'est que nous, entre ensemble.
pour communiquer un peu mieux. Et je vous, comme ça, vous serez dans ma base de données pour que je puisse vous envoyer d'autres trucs une fois par semaine. Je vous envoie d'autres trucs inédits. Bye bye. Ciao. Thank you.